juin 2004. Après un séjour de plus d'un mois à Genève, où il a ses habitudes, Paul Biya est de retour à Yaoundé. En son absence, toutes sortes de rumeurs ont fleuri sur son état de santé. Certains l'ont annoncé mort. Au micro de Charles Ndongo, à sa descente d'avion à Simalène, il lâche. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. 20 ans après, le temps a passé, mais le contexte politique est quasi similaire. L'élection présidentielle est en vue. La santé du président nourrit un vif débat. L'offensive du gouvernement sur le front de la communication prépare-t-elle un remake du scénario de 2004? S'il s'avère qu'il s'agit effectivement d'une stratégie de communication politique, je dirais que cette comédie mortuaire est de mauvais goût et par conséquent, elle démontre le cynisme assez élevé chez les tiers-référents du président qui serait prêt à tout pour convaincre politiquement, y compris par le recours à l'économie nécrologique. Le président de la République sera de retour à Yaoundé dans les prochains jours, assure le porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi. Paul Biya aura 92 ans l'année prochaine. Après 42 ans passés au pouvoir, il ne donne pas de signe avant-coureur d'une retraite politique avant la présidentielle de 2025. Ses partisans l'ont même déjà appelé à se représenter. Le président Biya mobilise suffisamment de ressources pour utiliser ce type de stratagème afin de gagner une éventuelle élection présidentielle à laquelle il serait candidat. À partir du moment où nous avons une opposition qui n'arrive pas à s'entendre pour présenter un candidat unique de l'opposition, comme en 1992 avec Nijon Fundi, eh bien le président Biya n'a absolument pas besoin d'utiliser un stratagème pour se faire réélire au cas où il serait candidat. Silencieux, alors qu'une bataille de succession fait rage dans son cercle proche, le président de la République avance mystérieux. L'une des marques de fabrique de son long règne, depuis le 6 novembre 1982.